Bonjour, c'est Adeline, bienvenue dans mon studio 3. Elle ne sait plus aimer, elle ne peut se fier qu'à son coup d'œil, elle veut tout tester, elle veut tout tester, elle veut tout tester. Je m'appelle Adeline, je suis autrice, compositrice, interprète. Je travaille avec un label indépendant qui s'appelle Labophonique depuis quelques années, on écrit des chansons. Et voilà, on est là pour vous en jouer quelques-unes aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira. J'ai avec moi Alex Bianchi, qui est en grande partie la personne qui a fondé le label Labophonique et avec qui je coécris les chansons, qui va être à la guitare baryton. Et je suis aussi accompagnée de François Grimm, qui va être à la douce corde et à la mandoline. Donc voilà, ça va être un plaisir d'être en trio en acoustique aujourd'hui avec vous. On est dans de la chanson française. J'écris en français et on est dans un style un peu pop-folk. On a touché un peu le rock avant l'album là, qu'on est en train de préparer. Mais voilà, là, on sort quelque chose qui est très boisé, avec du caronne, de la guitare en bois. Donc voilà, on va sur les tendances un petit peu du folk. Alors, Elle ne s'est plus aimée, c'est un morceau qui a fait que j'ai démarré cette collaboration avec le label Labophonique et Alex Bianchi. Donc cette chanson, elle parle du rapport qu'on peut avoir avec tout ce qui est réseaux sociaux, téléphone portable, internet. On peut se noyer très vite dedans et puis oublier d'aimer intensément avec les choses simples, les odeurs, la proximité, le quotidien, etc. On peut se noyer un petit peu, je ne sais pas si c'est très clair de comment j'amène les choses, mais ça parle d'une fille qui est un petit peu esclave de la vie d'aujourd'hui avec tout ce numérique qui nous entoure, et voilà, qui ne sait plus aimer. Mais ce n'est pas grave, car elle n'est pas la seule. Question très banale, couchée assise sur son plumard, elle voudrait bien faire taire cette dalle qui la tient si tard. Elle n'a plus vraiment de vie sociale, perdue dans cette faim, elle attend que son mobile s'alarme comme un assouvissement. Elle ne sait plus aimer, chasser l'humain dans son viseur. Elle ne sait plus aimer, ce n'est pas grave car elle n'est pas la seule. Elle veut tout tester, elle veut tout tester, elle veut tout tester. Elle examine tous les profils qui défilent sur son petit écran, le regard rivé sur sa note prête pour les bons plans. Un petit clic, un match, un kiss, oui c'est réglé, allons enfants. Aujourd'hui ce qu'elle veut c'est passer, jouir du bon temps. Elle ne sait plus aimer dans les algorithmes sans odeur. Elle ne sait plus aimer, ne peut se fier qu'à son coup d'œil. Elle veut tout tester, elle veut tout tester, elle veut tout tester. Elle veut tout tester. Elle cherche à faire l'amour normal, pas juste des corps qui se déballent. Elle obéit volontairement au physique qui parle. Alors pourquoi persévérer dans toutes ces sélections d'images, si pour faire au pot ne sont que des forfaits volages. Elle ne sait plus aimer, chasser l'humain dans son viseur. Elle ne sait plus aimer, ce n'est pas grave car elle n'est pas la seule.
elle ne sait plus aimer. Les algorithmes sans odeur, elle ne sait plus aimer. Elle ne peut se fier qu'à son coup d'œil. Elle veut tout tester, elle veut tout tester, elle veut tout tester, elle veut tout tester, elle veut tout tester. Alors, pas mal de choses, que ce soit en français ou en anglais. Je suis une grande fan de Amy Winehouse. Je suis une grande fan de Francis Cabrel, de Zazie. J'écoute aussi un peu d'électro. Il y a pas mal de choses qui passent dans mes oreilles. Mais voilà, Cathy Tunstall aussi. Sia, dans ses premiers moments, un peu moins aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu mélangé. J'écoute pas mal de choses. Pareil, il y en a plein. Je vais un peu partout. Mais ouais, bah, si on reprend Amy Winehouse sur l'album Back to Black, il n'y a rien que je jette dans cet album. Il y a une chanson qui me fait particulièrement vibrer, Tears Dry on Their Own. Yes, j'ai réussi à le dire du premier coup. sinon, voilà, justement, sur le prochain album, on a une chanson qu'on reprend, ce qui n'est pas la nôtre. Donc, c'est une chanson qui s'appelle Pas trop de peine. Ouais, j'avoue que j'aurais bien aimé l'écrire. La cabane du pêcheur aussi, ou des chansons de Zazie. Je pense à Toc Toc Toc, que j'adore énormément. C'est peut-être pas le plus gros tube, mais ouais, je trouve hyper intéressant la manière qu'elle a de poser les choses sur ce morceau. Alors là, on va repartir peut-être dans mon adolescence. C'est marrant. On va dans le néo-métal, là, pour le coup. Une chanson qui s'appelle Bring Me to Life de Evanescence. Moi, pour moi, c'est le groupe au niveau de mon adolescence qui m'a fait. Qui m'a réveillé en quelque sorte, qui m'a un peu sauvé. Et donc, si je devais parler d'une chanson, c'est peut-être celle-là, parce que l'époque était. Ouais, j'avais besoin de ça. Bah, parler bien de ma musique et puis de faire en sorte que ça voyage dans d'autres oreilles. Donc, si on parle bien de nous et de ce qu'on fait, ça veut dire qu'on. Bah, voilà, qu'on a fait le boulot. Et donc, ça, on est toujours content quand on sait qu'on a fait du bon travail. Donc elle, la croque, elle fait partie du dernier disque, donc le premier album qu'on va sortir cette année. Donc c'est une chanson qui parle d'une personne qui évolue. Ça parle de l'enfance, de l'adolescence, et on s'arrête à peut-être son début d'entrée dans l'âge adulte. Donc voilà, ça parle d'une fille qui se fabrique une coque, qui se protège, et va-t-elle la laisser de côté un jour, peut-être. Mais voilà, c'est ce titre qui va permettre là de vous présenter une première chose sur le prochain album. La vie, elle la croque, sans prendre trop de
s'impose dans ce corps en pleine métamorphose. Déployant ses ailes comme le font les papillons, éphémère, elle choisit de tout vivre à fond. Sucker!